Bon, salut les amis. Bon, une petite sortie là. Là, au matin quoi. Bon, j'ai vu un champ, hein. J'ai déjà eu autorisation, hein. Je l'ai déjà fait ici. Plusieurs fois même. Bon, je vais la retenter et puis là, je viens d'arriver, j'ai posé mon sac là. J'ai fait ça jusqu'à ici. Et on en retrouve encore un. Hein. Parce que là, j'ai refait une monnaie. J'ai regardé ce que c'était déjà. Et elle m'a l'air bien sympa. Si j'arrive à la prendre. Allez, s'il te plaît. Voilà, c'est un double tournoi. Je sais pas si on la voit. C'est côté où qu'il y a le profil. Et de l'autre côté. Voilà. Et bien sympa le double tournoi. Voilà ma première monnaie. Hein. Donc voilà. Première monnaie en 2 minutes de temps, ça fait plaisir. En fait, je voulais aller là. Parce que là, j'ai l'autorisation aussi, juste ici, là. Mais bon, c'est des patates, et puis j'ai regardé, il les a pas encore ramassées. Donc. Je vais refaire le pré, là. Ça me fait un peu chier, hein, mais bon. Y a que ça. Allez, à toute. Bon, les amis, bon, bah là, j'ai fait un changement de champ. Voilà quoi, hein, j'ai rien fait. Depuis 1 heure je tourne là pour trouver un champ. Pas moyen, bon je trouve ce champ là. Qui est pas semé, bien bien sympa. Bon je vois pas le truc, l'écran. Mais là je viens de faire un truc et ça m'a l'air intéressant. Merde, je sais plus où je l'ai mis. Et il est là. Voilà. Juste ici là. Je vais le prendre. Hop. Bon je sais pas ce que c'est. Donc si quelqu'un a une idée, je sais pas du tout ce que c'est ce truc-là. Je dirais une applique. Voilà. En fait, la tâche là me fait penser à une fibule, mais si c'est une fibule là, c'est un truc de fou, hein, parce qu'elle est superbe. Voilà. Bon bah si quelqu'un a une idée, ce truc-là. Très cool. Bah allez, à toutes. Bon les amis. Bon bah je vous avoue, une demi-heure, hein, quasiment une demi-heure sans rien. Que dalle. Franchement, rien du tout. J'insiste, hein, parce que bon, j'ai pas envie de chercher un autre coin. En plus, il y a mon ami Théo qui m'a contacté. Mais je suis déjà en champ, donc je vais pas revenir, c'est pas la peine quoi. Mais bon. Bon bah là j'ai eu un son dans ce trou. Juste là, là. Voilà. Elle est juste là, j'ai fait une monnaie. Et quand je regarde comme ça, elle a l'air super sympa. On va regarder ensemble. Voilà. Donc bah j'ai parlé trop vite. Elle avait l'air super sympa. Oh bah c'est récent. Ouais c'est récent non mais. Bah je vous montre. Si j'arrive à la filmer. Moi je vois pas si j'arrive à la filmer quoi donc. Parce que si je me mets comme ça. On voit que dalle, je pensais que c'était un superbe double tournoi. Et en fait c'est des scènes là. Avec le lion debout là. Je sais pas si on la voit là. Je sais pas du tout. Bon, aucune idée. Donc voilà. C'est 10 scènes, non un truc comme ça. Doit être dans les 1800 ce truc-là. Voilà les amis. Je sais pas si on voit, je vois pas l'écran. Avec le soleil en fait, je vois pas l'écran de l'appareil, donc c'est chiant. Bon bref. Bon bah le truc juste avant, je pense que c'est une fibule quand même. J'ai encore regardé un peu là. Ça me semble être une fibule, hein, mais bon. Fibule quoi? Pas d'idée. Donc elle sera identifiée, hein, je ferai une photo. Hein.
Bon les amis, Voilà. bon bah on va dire 2 minutes après la pièce là, qui se trouvait juste ici là. Là, j'ai fait quoi les 3 mètres hein. Je cherche un peu partout. Et juste là, je viens de refaire une monnaie. Et ça c'est bon ça, faire des monnaies comme ça. Donc, on va regarder ensemble. Alors ça c'est quoi? Oh. Ça vaut l'air d'être vieux ce truc là. Ah si, peut-être. Excusez-moi. Voilà. Est-ce qu'on voit quelque chose? Bon, c'est pour moi c'est une révo. Hein. Je vois bien la tête là. Le profil d'une révolutionnaire. Voilà. Bon, de l'autre côté, elle est bien encrassée apparemment. C'est de frotter quand même malade. Ou si c'est une révo. La patine ne bougera pas. Ouais, il y a l'air d'avoir des restes, mais bon. Voilà quoi. Faut la nettoyer. Allez! Bon, sûrement une révo. Pas sûr, c'est même sûr que c'est une révo. Révolutionnaire quoi. C'est sûrement une 5 centimes l'en cacahuète. Voilà. Révolutionnaire. Bon bah ça fait plaisir. Il y a tout dedans, hein. Fibule, révo. Voilà quoi. Je vais continuer. Hein. Bon allez à tous, salut les amis. Bon là on est l'après-midi. Hein. Ce matin, après ce matin la petite fibule et la révo. Et ben là, juste ici. Voilà. Là, je suis redescendu tout en bas du champ. Et je viens de faire un. Je pense que c'est un jeton. Marqué bon pour une boîte à mon avis. Et en dessous c'est marqué 20 centimes. Si quelqu'un a une idée, après le reste je vois pas. C'est en alu. Hein. Donc si quelqu'un a une idée sur ce truc-là, je sais même pas si c'est vieux ou quoi, mais bon. 20 centimes, ça doit être dans les francs quoi. Voilà les amis. Allez, à toutes. Les amis, bon, de nouveau un son, et là j'ai pas besoin de creuser, hein. Il est juste ici là. Bon, je sais pas ce que c'est, hein. Je peux encore regarder. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est de frotter, mais souvent. C'est incrusté de terre. Waouh! Ah bah les amis, là je pense que c'est un superbe double tournoi. Dommage qu'il y a plein de terre dessus parce qu'on verra mal. Ah ouais, il a l'air bien sympa. J'ai arrêté de le frotter. Voilà. Un superbe double tournoi à mon avis. Allez. Voilà, on voit encore les restes. Hein. De l'autre côté, on voit bien parce qu'il y a tous les marquages autour. Voilà, il a l'air pas mal. À voir au nettoyage, mais ça a l'air d'être un beau double tournoi. À voir après. Je ferai une photo s'il la revient bien. Allez, à toutes! Bah, mes amis. Bon, je voulais faire une petite parenthèse vite fait avant de vous montrer la trouvaille que je viens de faire là. Si quelqu'un connaît du monde qui fait des génériques pour les vidéos. Parce que je cherche un générique en fait, j'ai pas de générique et puis je trouve personne qui en fait quoi. Donc voilà. Si quelqu'un connaît, hein, qui me contacte sur YouTube, qui me laisse un com sur ma vidéo sur YouTube quoi. Hein, parce qu'après YouTube, voilà quoi. Bon bref, bon bah voilà. Là j'ai fait une monnaie. Juste ici, hop. J'espère qu'on va la voir. Je vois rien que le soleil. Hein. Donc c'est une romaine. Je suis choqué parce que trouver une romaine ici, dans un coin paumé, mais bah, tu me dis, ouais, vous me direz avant, les gens, il n'y avait pas d'habitation. Donc. Voilà, une petite romaine, bien sympa.
un peu morflé sur tous les contours là, mais on voit encore bien les décors. Enfin les reliefs quoi, les décors. Bon, voilà les amis. J'ai continué un petit peu. Hein, parce que j'avais pas l'intention de rester longtemps, une petite heure et demie quoi en tout là. Ça fait 3 quarts d'heure que je suis là, hein, j'ai pas fait grand chose. Donc voilà quoi. Allez, bon les amis, tout de suite. Bon, juste après la monnaie là. En fait, j'ai laissé ma veste en fait pour faire un repère. Puis j'ai chaud alors j'ai laissé ma veste là-bas, vous voyez, là où il y a la monnaie, je l'ai fait là-bas. Voilà, j'ai fait tout ça. Et juste ici, bon, le trou, je vous fais pas voir, hein, c'était pas profond. Hein. Par contre, ça craque bien. Hein, donc voilà quoi, j'ai creusé. Hein. Et là, j'ai refait une romaine que j'ai jamais vu, jamais fait ce genre de pièce avec ce profil. Je sais pas. Bien sympa. Elle a de beaux reliefs, hein, vous voyez, regardez, on la voit bien. Et de l'autre côté, bah, c'est de faire voir le profil pour qu'on voit quelque chose. On dirait un mec debout. Oh. Bon, on voit pas bien, hein, mais voilà. Bon, une petite roue en plus. C'est la deuxième ici. Deuxième en 2 minutes. Donc c'est cool. Hein. Bon, allez, je continue. À toute.